Bonjour à tous et bienvenue pour ce mois de décembre pour recevoir notre prochaine invitée qui est donc Charlotte Club. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que du coup tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Alors Charlotte Club en fait c'est pas un nom de groupe, c'est un nom d'artiste. C'est un mélange de mon prénom en fait avec le Hot Club de France. Un gros clin d'œil à Django. Parce que voilà depuis l'âge de 10 ans je fais beaucoup de jazz manouche. Donc Charlotte Club c'est du jazz, du swing, de la bossa, du blues. Un peu de tout quoi, des chansons et puis pas mal de styles. Comme j'écoute énormément de musique, je pars dans tous les sens au niveau des styles. Donc c'est vraiment de la chanson et autour plein de styles. Parlons un peu de ton parcours. En fait, j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes. J'avais 14 ans à peu près et puis t'as tout le monde qui dit « Ah ouais, faut continuer » et tout ça. Donc j'ai poussé, j'ai continué à prendre des cours de guitare jusqu'à mes 18 ans. Après, le prof m'a dit « Écoute Charlotte, là, go, vas-y, vole de tes propres ailes. » Et puis j'ai écrit des chansons. Par hasard, je suis arrivée à une scène ouverte, on a dit tiens, il y a un tremplin, si la personne réussit, je lui fais faire un concert. Et puis ça s'est fait, j'avais que 3 chansons, il a fallu en écrire plusieurs pour tenir 1h30, donc ça a été du travail. Et j'ai appelé un musicien intermittent et professionnel, Jean-Charles Babouzé. Et donc on a travaillé ensemble, là ça va faire 6 ans. Il m'a fait aussi prendre confiance en moi et on a travaillé la musique quoi. Qu'est-ce qui se passe et comment on fait quoi. Voilà. D'accord, donc justement à travers tout le mois de décembre, tu as accepté de te prêter au jeu des interviews. Et donc tu vas nous faire découvrir ton univers. Du coup, on vous retrouve la semaine prochaine pour une interview où vous verrez un peu décalé.